Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de Waldata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une formation inédite, j'ai bien dit inédite, axée sur un thème qui va, je pense en tout cas, plaire au plus grand nombre, les fameux retracements de Fibonacci. Donc cette nouvelle formation sera animée par un de nos formateurs que vous connaissez sûrement déjà, Monsieur Daniel Cohen de Lara, qui m'accompagne ce jour. Bonjour Daniel. Bonjour Johanna, bonjour à tous. Donc, je vous remercie de nous accorder de votre temps pour cette nouvelle interview. Donc, nous avons eu l'idée de mettre au catalogue de nos formations le thème des retracements de Fibonacci, qui est un thème passionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quels sont, par exemple, les objectifs de cette formation et quelles sont les questions et les réponses que vous allez apporter à nos investisseurs? Alors, on va partir, si vous voulez, d'une situation hyper classique. Vous avez fait une très belle entrée en début de tendance, vous voyez votre compte, il monte, il monte, il monte, vous êtes satisfaite, tout va bien, puis tout d'un coup, les prix ne montent plus et au contraire, ils commencent à baisser. Et vous voyez votre compte qui commence à baisser. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Donc, le premier objectif de la formation, lorsque l'on rentre dans une consolidation, c'est de pouvoir déterminer les différents niveaux de consolidation de manière à ce que vous puissiez prendre les décisions qui s'imposent pour votre investissement. Et puis, la consolidation se fait et puis elle se termine. Ah, c'est bien, on repart dans la nouvelle tendance. Et là, vous pouvez vous poser plusieurs questions. La première, du fait de la consolidation, quel est le nouvel objectif que je dois me fixer pour mon investissement? Donc on va répondre à cette question. Et puis vous allez vous dire, c'est bien, on repart dans la tendance. Est-ce que je peux éventuellement renforcer ma position? On va voir dans la formation quelles sont les situations qui permettent de renforcer la position existante. Et on va voir aussi quels sont les obstacles qui peuvent se dresser devant nous pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis, les meilleures choses ayant une fin, à un moment donné, la tendance va s'arrêter et on va le dernier objectif de la formation, c'est de vous donner un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'anticiper une fin de tendance et de cette manière-là, d'optimiser votre investissement. Voilà. D'accord. Et vous pouvez nous dire un petit peu comment va s'articuler cette formation? Alors, la formation va s'articuler autour de quatre modules. Le premier, c'est on va faire une analyse relativement poussée, suffisamment poussée, des conditions de développement d'une tendance. Ça, c'est l'élément de base qui est important pour comprendre comment les prix vont évoluer, si c'est sur des actions vers le haut, comment les prix vont monter. Ça, c'est la première étape, contrôler la tendance. La deuxième étape, c'est, il y a un moment donné où il y a un retracement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il est sain et il est même nécessaire dans une tendance qu'il y ait des retracements. Donc, on va regarder les différents niveaux auxquels les retracements se font par rapport à l'impulsion initiale et on regardera quelles sont les conséquences sur la tendance à venir des niveaux auxquels on s'est arrêté. On va regarder aussi, chose très importante, à quel moment, comment détecter la fin de la consolidation et le retour vers la tendance initiale. Après, quand on sera dans la tendance initiale, on va regarder un deuxième outil qui est le pendant des retracements de Fibonacci qui s'appelle les extensions de Fibonacci qui vont nous permettre de nous donner des objectifs dans le cadre de la tendance initiale que l'on a retrouvée. On va regarder également quels sont les obstacles et qu'est-ce qui se passe quand on arrive vers l'un ou l'autre des objectifs potentiels qu'on a pu se fixer. Et puis, comme je l'ai indiqué, la dernière étape sur cette partie extension va être justement les outils de détection de la fin de la tendance. Et le quatrième module,
qui sera la troisième session de la formation, qui sera un travail ensemble sur le logiciel lui-même. Alors, sur le logiciel, il va y avoir deux parties sur cette dernière session. Tout d'abord, on va regarder rapidement l'organisation du logiciel. Je vais vous expliquer comment moi je l'utilise, ce logiciel, comment je prépare mes écrans, quels sont les outils complémentaires que je mets sur mes écrans pour pouvoir contrôler les mouvements. Alors, le logiciel a pour moi deux intérêts fondamentaux. Comme tous les logiciels WorldData, il permet de détecter parmi une grande quantité d'actifs ceux qui se trouvent dans la situation que l'on recherche, à savoir quels sont les actifs qui entrent en consolidation, quels sont les actifs qui sortent en consolidation. Donc, ce qui permet de gagner un temps énorme par rapport au fait de faire défiler soi-même les actifs pour essayer de trouver ceux qui sont dans la configuration que l'on cherche. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup sur le logiciel Fibo Expert, c'est sa très grande capacité de paramétrage. Et je vous expliquerai comment moi je l'utilise et quels sont les paramètres que je mets généralement en fonction de l'univers de temps dans lequel on travaille, court terme, moyen terme et long terme. Donc ça sera la première partie de cette session devant le logiciel. Et puis on regardera en direct un certain nombre d'actifs et on regardera les situations, on les analysera, on regardera si la consolidation est terminée, si on estime qu'elle est terminée, si on peut reprendre, on peut renforcer la position, on regardera où est-ce qu'on place le stop et on regardera quel est l'objectif que l'on se fixera dans la restauration de la tendance initiale. Voilà. D'accord. Donc, concrètement, si je vous suis, grâce à cette méthode des retracements de Fibonacci, chacun d'entre nous va pouvoir mettre en place une stratégie plus de suivi de tendance, de détecter des points d'entrée optimaux pour jouer une nouvelle vague haussière ou baissière en se fixant des objectifs par rapport justement à ces retracements de Fibonacci. Ça semble hyper, hyper intéressant. Et que pour que nos utilisateurs soient autonomes rapidement, vous proposez une dernière session qui sera vraiment sur le Wallmaster XE avec Fibo Expert. Et c'est bien ça que nos clients doivent comprendre. Alors, tout à fait. Tout d'abord, on va faire le parallèle avec les objectifs qu'on a déterminés à l'origine et les modules tels que je viens de les expliquer. La première partie, on fera vraiment de la stratégie de suivi de tendance. Et puis, rupture, consolidation, on regardera à quel niveau la tendance va s'arrêter, comment elle va repartir, comment on va pouvoir rentrer en position, comment on va pouvoir se fixer un objectif, et on va essayer de déterminer quels sont les risques que la tendance, à un moment donné, s'arrête. Donc, en fait, on va regarder tous les éléments pratique d'un investisseur, c'est-à-dire toutes les questions que se pose l'investisseur avant de rentrer en position, pendant le suivi de sa position et puis à un moment donné la sortie. On fera cela d'abord sur les quatre modules, pendant les deux premières séances, et puis on le fera directement sur le logiciel pendant la troisième séance, comme je l'ai expliqué. D'abord, on regarde le paramétrage du logiciel, les outils que j'utilise en complément sur mes charts sur le logiciel. Et puis, on fera défiler un certain nombre d'actifs et on regardera, on analysera et on fixera les points importants d'une entrée en position ou d'un renforcement éventuel. Voilà. Très bien, ça paraît très complet, encore une fois, très synthétique également, parce que le fait d'associer la théorie d'un côté avec la bonne compréhension et de l'autre côté la mise en pratique, ça va permettre à nos utilisateurs de ne plus avoir aucun secret pour cette méthode basée sur les retracements de Fibonacci. Dans toutes les formations que je fais, notamment avec WorldData, il y a toujours deux parties. Et il y a toujours deux points de vue.
Il y a le point de vue du savoir, parce qu'il faut connaître un certain nombre d'éléments d'analyse technique, il faut connaître un certain nombre d'éléments des marchés, et puis il y a toujours une deuxième partie qui est le savoir-faire. Après une formation, lorsque le participant se retrouve tout seul, là, on peut être parfois un peu en panique. Et donc, je consacre toujours beaucoup de temps, et en particulier à travers le travail qui sera fait sur le logiciel, à se mettre dans des situations réelles, de réfléchir avec les participants sur la situation et de déterminer l'ensemble des éléments qui pourraient donner lieu à un investissement nouveau. Voilà. Bon, bah super. Donc, si vous aussi, vous souhaitez participer à cette formation qui se déroulera en live, c'est-à-dire de chez vous, devant vos écrans, les mardis 5, 12 et 19 mai 2020, bien sûr, de 18h à 19h30, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous pouvez joindre l'ensemble de l'équipe Waldata qui se tient à votre disposition au 01 58 71 21 99. On réserve un tarif spécial aux 20 premiers inscrits. Donc, n'attendez pas pour vous inscrire. Je suis convaincue, et encore plus après cette interview, que les retracements de Fibonacci sont hyper importants dans la prise de décision, hyper complémentaires, et que là, vous n'aurez vraiment plus de secrets. Daniel va vraiment vous livrer tous ses secrets, toutes ses clés pour que vous puissiez être encore plus performant. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter, je rappelle le numéro 01 58 71 21 99. Il ne me reste plus qu'à remercier Daniel pour cet entretien et vous remercier à vous tous, encore une fois, pour l'intérêt que vous portez à Waldata. Bien, je m'associe à vous, Johanna. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Et j'espère vous retrouver au mois de mai sur ces trois sessions de formation. Merci, bah je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.